Salut à toutes et à tous, la famille de Cannes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc, ce sera une vidéo invocation sur les tickets commémoratifs des 200 millions de téléchargements sur la version globale cette fois-ci de Dokkan Battle. Donc, voilà, en ayant fait des invocations sur Omega Shenron et Gogeta SSJ4, j'ai récupéré 27 tickets en tout. Donc, voilà, je vais vous présenter le détecteur qui, ma foi, est très intéressant et nécessaire, mais. Comme vous avez vu ma précédente vidéo de tickets, j'ai drop que les SSR en dehors du portail et que de la merde, hein, on va pas se le cacher. Donc, alors, Super Végétaux Bleus, donc le God tier arc-en-ciel des types super. Lui, c'est le God tier arc-en-ciel des types extrêmes. Ikari. Donc, Ikari qui est pas mauvais aussi, hein, il rentre dans la meilleure méta intelligence. Gata Isamasu que j'ai déjà. Jubai, donc je prends car je ne l'ai pas, il rentrerait bien dans ma team agité. Lui aussi, le Vegeta Intelligence que je prends également. Le Goku Black pour l'arbre, pourquoi pas. Le Golden Tech, bah oui, je le prends aussi. Hein. Il rentre dans ma team technique vu que j'en ai pas beaucoup pour l'instant. Le Cell Puissance, pas mal aussi. Végéto pour l'arbre. Gotenks SSJ3, je prends aussi. Omega Shenron, lui je le veux. C'est ce perso que je veux. Broly, je l'ai déjà. Il m'intéresse pas. Buan en doublon, pourquoi pas. Gogeta en triplon, pourquoi pas aussi. Janemba, pourquoi pas. Avec le Buan, il ferait de très 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 bonnes choses. Lui m'intéresse pas. Lui je le veux. Je le veux absolument. Lui, si je l'ai, lui ou le Omega Shenron. Voilà, un des deux. Je veux au moins un des deux. Car lui, il rentre dans la meilleure méta. Actuellement dans la meilleure méta puissance. Hein. Ce Gohan Ultimate, je n'en veux pas. Ce Beerus non plus. Ce Broly non plus. Ce Boubou non plus. Ce Cell non plus. Ça fait beaucoup de non plus. Hein. Et ce Freezer Full Power, je le voudrais bien parce qu'une fois Speedy, c'est 100%. C'est un monstre. Sachant que j'ai une team extrême endurance qui est très très bonne avec le Omega Shenron. Donc voilà. Donc les amis, on va passer aux invocations. Je vais commencer par les singles. Et après, on fera le reste en multi. Alors, ça me fera deux singles pour moi. Alors, rien du tout. C'est déjà pas mal. Oh, bah on va commencer par une Kakarotte. On va commencer par une Kakarotte. J'adore ce jeu, franchement. D'accord, un Bido. Un bido la libido. MDR. Allez, dernière invocation. Enfin, dernière invocation single. Un Satan sur la droite. Je sens. Ah, relâche arc-en-ciel. Déjà, c'est un peu mieux. Super Saiyan 2. Pas de Super Saiyan 3, le jeu rame. Et j'ai un Frost. Donc qui partira chez Baba, vu que j'ai besoin de points. Alors. On passe au multi maintenant, les amis. Allez, espérons dropper au moins un Omega ou un Vegeta. C'est un des deux. Je ne demande que un des deux dans ce portail. Je ne demande pas plus. Voilà, un des deux. Relâche arc-en-ciel. Super Saiyan 1. Bye bye les gars ou pas? Pas de bye bye les gars, les amis. Donc bah, c'est une multicarotte. Hein. J'aime les multicarottes comme ça, dis donc. Moi j'ai vraiment pas de chance, les amis. Je vous le dis, j'ai pas de chance. J'ai vraiment, vraiment pas de chance. Je connais une personne qui, avec 7 tickets, a eu 3 SSR. Dans un Jubai Kaioken. Et cette personne a vraiment, vraiment de la chance. Parce que c'est exactement cette personne qui a réussi à me dropper le Omega Shenron et le Gogeta Technique. D'ailleurs, que je remercie encore.
Une pan que je viens juste d'avoir, quoi. Enfin, Yajirobe, Cacao, Dr. Giro. Donc, les amis, j'ai arrêté de compter, hein, mais là, ça fait bien 2000 qui sont nécessaires. Oh oui, facile. Ouais, c'est ça, 2000 qui sont nécessaires avec deux singles carottes. Donc, troisième multi. Est-ce que ça va être la première avec un SSR? Alors, une, deux, trois, quatre, cinq. Cinq capsules. Rien de garanti pour l'instant. Il se transforme. Super Saiyan 1. Super Saiyan 2. Pas de Super Saiyan 3. Pas de SSR garanti. Un Yamcha intelligence. Une Kame Sennin du temps. Une Kaioshin du temps, pardon. Un Trunks tout pourri. Une Célipa. Et pour finir, un Yamcha. Bon, les amis, hein, 4 multis sont nécessaires, hein, dis donc. Le taux de drop a vachement été augmenté, hein. J'ai regardé des vidéos comme quoi les mecs disaient que ça avait vachement, ça avait été augmenté et tout ça. Je regardais des commentaires qui disaient aussi que ça avait été augmenté, mais à ce que je vois, rien n'est augmenté, hein. J'ai en 20 tickets, j'ai même pas eu un seul nécessaire, quoi. Donc on va faire l'avant-dernière multi. Juste pour vous dire, hein, j'ai même pas un taux de drop de 10%, j'ai un taux de drop de 0% là, actuellement. Donc Bandai Namco, si vous regardez cette vidéo, faites quelque chose, quoi, enfin donnez des SSR à tous ceux qui n'ont rien eu. Ah, bah Omega Shenron, bah dis donc, il était temps. Moi je veux que les deux dernières multi là soient que des SSR. Et on peut toujours rêver, hein. Le jour où ça arrive, ça c'est plus de la chance, hein. Enfin, moi je veux des SSR du portail, si possible. Ce serait mieux. Ah, s'il me refile un Goku SSJ3 ou un Gohan Ultime Intelligence, je sais pas quoi. Oh là là. Oh mais non, le, oh, le l'Ebola, oh là là, le cancer, tout ce que vous voulez. Bon bah il partira chez Baba, hein, il est tout pourri. Un des plus pourris du jeu. Le SSR le plus pourri. Moi je vous l'ai dit, de toute façon, je rep que des persos de merde. Et quand je repasse SSR, c'est SSR en dehors du portail. Un freezer pour le LR. Bon bah les amis, on va passer à la dernière. Hein. Je suis vraiment dégoûté, franchement. Pff, autant de DS claqués pour avoir des dés, pour avoir des tickets et avoir que de la merde. Enfin franchement. Pff. Juste pour vous dire, je le garderai même pas pour la collection, ce double. Il vaut rien. Il vaut rien. Super Saiyan 2 et un petit Super Saiyan 3, bah non, pas de Super Saiyan 3. Bon, moi je le sens hein, gros comme une maison, ça va être une cacarotte pour la dernière. Ah, le jeu est fluide là. Oh bah, deux d'un coup, forcément. Le crâne chauve, obligé de l'avoir. Freezer troisième forme, tout pourri aussi. Enfin, quoique, il est pas dégueulasse hein, en vrai, mais bon, c'est pas un perso de ouf. Et le dernier, et bah, une daube aussi. Donc voilà les amis, hein, je sais pas sur combien on a fait. 5 multi, 2 singles, sur 5 multi, 1 SSR. Ça fait même pas. Pff, allez, on va dire sur si on compte, ça fait 27 personnages. On va dire environ. Allez, on va arrondir à 30. J'ai même pas un taux de drop de 10%, quoi. J'ai un taux de drop de 5% un peu. Ouais, encore. 5% c'est vraiment pour dire. Hein. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que vous aurez eu du lourd sur ce portail carotte. Hein. Franchement, on va pas dire que c'est un super portail. Après, il y en a qui ont de la chance, mais moi, clairement, j'en ai pas. Donc voilà, je vous souhaite à tous une bonne journée. N'hésitez pas à laisser un j'aime et un commentaire et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Salut tout le monde!